Salut la famille, GDF Trading, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de nouveau pour une nouvelle vidéo. Ici, il s'agira de vous présenter la vidéo numéro 13 du challenge, d'accord? Ici, il s'agira de faire une mise au point, d'accord, de tout ce que nous avons vu juste là, d'accord? Et pourquoi pas, nous allons essayer de parler également d'une nouvelle notion qui est très capitale pour ceux qui vont trader les actifs du forex, d'accord? C'est-à-dire, il s'agit des paires, les paires de devises. Pour ceux qui font trader les paires de devises, il y a une notion très capitale, une analyse très capitale, d'accord, que nous avons décidé également de vous apprendre. Mais avant cela, nous allons vous présenter rapidement quelque chose. Vous vous rappelez de ces deux lignes que nous avons tracées au cours de la vidéo numéro 11, d'accord? Au moment où nous avons essayé de parler de la moyenne mobile. D'accord? Nous avons pris une position, d'accord, quelque part ici. Nous avons pris une position quelque part ici. Et on a dit que le marché viendra toucher cette ligne. D'accord? Et si ça casse la ligne, qu'est-ce qui va se passer? Ça viendra chercher cette ligne-là. Regarde ce que le marché a fait finalement. Vous voyez? Donc c'est déjà une stratégie, d'accord, qui marche. D'accord? C'est une stratégie qui marche. Donc, la position qu'on a prise est sortie en gain. D'accord? Donc, voilà un peu ce qui fait, voilà ce qui nous a aussi poussé réellement à lancer ce challenge, histoire de vous donner une stratégie qui pourra déjà vous permettre, d'accord, de gagner dans le métier, de commencer par vous familiariser avec le métier. Parce que il faut comprendre que pour être un bon trader, il faut du temps, il faut gagner en expérience, d'accord. Il faut surtout gagner en expérience, il faut avoir des bases, il faut à travers ces bases se familiariser petit à petit avec le marché avant de pouvoir maintenant vous lancer à fond. Parce que si vous ne vous familiarisez pas avec le marché, si vous ne cherchez pas à comprendre le fonctionnement du marché, sur quelle base, d'accord, le marché fonctionne, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Même si vous suivez une formation, vous n'allez pas de si vite vous comprendre le marché, d'accord? Il faut un processus, il faut comprendre comment fonctionne ce marché-là, d'accord? Donc, pour la petite histoire, il faut comprendre que on a été, si je dis on, je parle au nom de l'académie, d'accord? On a été productif, on a commencé par être rentable sur le long terme après 2 ans de carrière dans le métier. Après 2 ans de carrière dans le métier, parce qu'il faut comprendre que c'est comme ça, on s'était lancé également aussi sur le métier, comme ça, on s'est lancé, et puis il n'y avait pas une très bonne formation, mais vaille que vaille, on s'est lancé comme ça, d'accord? On a téléchargé plusieurs vidéos, plusieurs tutos, plusieurs, et puis voilà, on a fait des recherches, on a eu des cours en ligne, tout ça. Mais pendant les premiers mois, on n'avait pas reçu, on n'avait pas trouvé ce qu'on voulait concrètement, d'accord? C'est après des mois d'exercice, après des mois de lecture, après des mois d'application, qu'on a pu maintenant commencer par se forger une image du marché. C'est très capital. Vous allez suivre une formation à travers un formateur, il va vous apprendre sa compréhension à lui du marché. Mais ça ne suffit pas pour que vous construisiez. D'accord? Pour que vous construisez une stratégie, pour que vous construisez une vision globale du marché. Non. Non. C'est lorsque vous aussi, vous aurez une vision du marché, une vision personnelle du marché, ce n'est qu'à partir de cet instant que vous allez pouvoir maintenant, d'accord, être productif, être rentable sur le long terme. Vous allez suivre plusieurs formations. Mais laissez-moi vous dire, vous allez suivre des formations même qui ne vont même pas vous donner le nécessaire qu'il vous faut pour être rentable. Soyez-en certains. D'accord? Donc, l'essentiel pour vous, c'est de vous appliquer. Et à travers déjà ce challenge, je crois que vous avez eu le nécessaire qu'il faut pour vous appliquer. Appliquez-vous au jour le jour. Surtout si vous voulez faire carrière dans le métier, appliquez-vous au jour le jour. J'ai toujours l'habitude de dire un truc à mes apprenants. Je leur dis, en réalité, la seule chose que nous pouvons vous apprendre, c'est de vous apprendre comment fonctionne le marché. C'est de vous donner les rudiments, c'est de vous donner les bases, c'est de vous donner quelles les notions.
d'essayer de vous faire comprendre ce que nous avons compris, ce que nous-mêmes on s'est forgé, ce qu'on la compréhension, la vision qu'on a du marché, c'est cela qu'on pourra vous transmettre. Mais comprenez juste une chose, que nous ne pouvons pas adapter à votre esprit ces notions ou bien cette compréhension. C'est lorsque vous aussi vous allez commencer par vous familiariser avec le métier, c'est lorsque vous-même vous allez commencer par vous appliquer, et que ce n'est qu'à cet instant-là que le marché également vous permettra maintenant de l'assimiler, de l'appréhender. D'accord? C'est important. J'ai souvent l'habitude de dire aussi une chose, je l'ai dit. En réalité, quand on fait un métier, si le métier ne s'adapte pas à votre esprit, vous n'allez jamais comprendre ce métier-là. Regardez, prenez l'exemple peut-être des musiciens. Vous voyez? Un musicien, peut-être, je prends l'exemple. Bon, je vais faire du guitare, donc je vais prendre l'exemple d'un soliste, par exemple. Vous voyez? C'est des gens, avec le temps, quand ils ont de l'expérience, c'est des gens même... Seuls comme ça, ils arrivent à fredonner comme le son de la guitare. Ils arrivent en réalité à sortir des notes de la bouche. Vous allez croire peut-être que c'est de l'instrument, mais en réalité c'est la bouche. C'est ça, c'est qu'ils ont pu adapter à leur esprit, ils ont pu adapter l'instrument à leur esprit. Et cela ne vient qu'après l'application. Et cela ne vient qu'après des exercices. D'accord? Donc, appliquez-vous jour le jour, d'accord? Et comme on a l'habitude de le dire, nous avons des formations qui pourront vous aider. Parce que nous avons une expérience. On a commencé, on a été aussi débutant. Et ce qui fait qu'à travers nos différentes formations, on essaie d'essayer maintenant de vous permettre, d'accord, de ne plus perdre du temps et d'aller directement à l'essentiel. Parce que nous, on a pris le temps de perdre tout ce temps-là pour que vous ne perdiez plus le temps. Donc, voilà. Merci beaucoup. Nous allons parler rapidement de l'application dont il s'agit. Mais j'ai l'impression que si on quitte ici, on risque de bouger un peu la résolution. Mais nous allons essayer de le faire, d'accord? Donc, nous irons rapidement sur une application. Il s'agit de quoi? D'abord, avant d'aller sur l'application, je vous explique. Vous savez, pour ceux qui vont trader, d'accord, les paires de devises, pour ceux qui vont faire de devises, nous allons vous donner une nouvelle notion qui est très indispensable. Je dis, dans l'analyse en global, ça occupe plus de 50%. C'est pour vous dire que votre prise de décision dépend de cette analyse-là. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'analyse fondamentale. C'est indispensable. L'analyse fondamentale est indispensable. C'est que même si vous êtes fort en analyse graphique, en analyse technique, je vous dis, l'analyse fondamentale vous battra sur le marché. L'analyse fondamentale, elle est très capitale. C'est d'ailleurs la toute première des analyses. Alors, c'est très indispensable pour ceux qui vont trader les paires de devises. Alors, nous allons vous donner une application, d'accord, qui vous informera, qui vous permettra en réalité d'avoir le nécessaire qu'il faut pour pouvoir faire de l'analyse fondamentale. Je vais encore vous donner quelques éclaircissements. En réalité, l'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est l'analyse qui concerne l'économie de chaque devise. L'économie de chaque, quand je parle de la devise, je parle en même temps du pays, d'accord, de cette devise-là. Je peux parler peut-être de la zone de l'euro, je vais parler peut-être de la zone du dollar, je vais parler peut-être de la zone de la livre sterling, je vais parler de la zone du franc suisse. Voilà, donc je vais parler en réalité de l'économie de ces zones-là. Vous devez vous familiariser, vous devez être au parfum des informations qui touchent ces économies. Parce que si il y a une mauvaise information dans la zone de l'euro, il faut savoir que ça aura d'influence sur le coût, c'est-à-dire sur la variation de l'euro sur le marché. Soit
ça va faire chuter l'euro ou soit ça va faire monter l'euro. Alors, en tant que trader, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, à travers cette formation, nous allons juste vous dire qu'il y a de pareils trucs. Et nous allons vous orienter vers une application qui pourra vous donner ces informations. Mais comment les analyser? Nous allons vous parler de ça au cours de nos différentes formations payantes. Parce que, comprenez, ici, il s'agit juste d'une formation gratuite. Il y en a qui ont payé pour suivre ces formations. Donc, il ne serait pas bien, d'accord, de vous donner des choses gratuitement. Je vous en prie. Il y a la nature qui est là, d'accord, qui juge. Donc, nous allons juste vous permettre, et comme je le dis, vous avez déjà le concept. Vous pouvez faire vos propres recherches sur ces concepts-là, d'accord? Il y a plusieurs manières aujourd'hui d'apprendre les choses. Donc, nous allons vous donner une application qui pourra vous renseigner en temps réel sur les informations qu'il y a par rapport à tel actif et par rapport à tel actif. Et cela maintenant vous permettra de savoir à 15h, le mardi, à 15h, il y aura telle information sur telle devise. D'accord? Mais comment, qu'est-ce que vous allez, quelle sera la position d'un trader par rapport, quelle sera la position d'un trader par rapport à cette information? Qu'est-ce sera l'interprétation du trader par rapport à cette information? Là, on ne pourra pas, on ne pourra que débattre de cela à travers nos différentes formations, d'accord? Payantes, je le précise, d'accord? Donc, voilà, nous allons rapidement aller sur l'application. Là-bas, nous allons continuer. Allez, on y va. Donc, voilà, nous avons essayé de lancer l'application. Mais on a rencontré un souci parce que l'application ne nous permet pas de mettre le téléphone en rotation. D'accord? Là, ça va gêner le montage. D'accord? Voilà. Donc, nous sommes allés directement alors sur le site. Donc, vous pouvez aller sur Play Store pour télécharger l'application. Il suffit simplement de rechercher sur Investing. D'accord? Voilà le nom de l'application Investing. Ça peut aller. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas l'application, voilà le site. Vous écrivez Investing. Investing.com, ça peut aller. Voilà. Donc, une fois sur Investing.com, vous cliquez maintenant sur Calendar. Calendar, si c'est en anglais ou calendrier, si c'est en français. D'accord? Donc, lorsque vous allez cliquer sur calendrier, vous verrez ça. Ça met quoi? Hier, aujourd'hui, demain, cette semaine, la semaine prochaine. En réalité, c'est quoi? Vous voyez, ce que j'apprécie un peu chez les Blancs. C'est ce que j'apprécie chez les Blancs, c'est des gens en réalité qui sont ordonnés. D'accord? Vous pouvez vous informer par rapport à l'information qui viendra la semaine prochaine. Vous voyez un peu ça? C'est magnifique ça. D'accord? Donc, en tant que trader, c'est un outil qui est très indispensable. D'accord? C'est souvent à portée de main parce que avant d'ouvrir notre plateforme de trading, on doit déjà consulter les informations pour voir. Quels sont les actifs donc, qui sont touchés, qui ont d'informations aujourd'hui, par exemple. D'accord? Donc, vous cliquez sur aujourd'hui, vous allez voir. Une fois sur aujourd'hui, vous allez en bas. Vous voyez? Aujourd'hui, voilà, ils ont mis lundi 19 avril. D'accord? Lundi 19 avril à 0h30. Utilisation des capacités. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a chaque information, l'heure. D'accord? Ils ont mis ici la devise. Ici, c'est le JPY, le Japon. D'accord? Ils ont mis le type d'information. D'accord? On continue. GBP, UST. Vous voyez les informations? Donc, ils écrivent chaque fois l'information et également la devise. Là, vous voyez, il y a l'euro, il y a la date. À 4 heures, il y a l'euro. D'accord? Vous voyez? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous saurez qu'à telle heure, il y a telle information. À telle heure, il y a telle information. Et ce que vous voyez ici, là, d'accord? Ici, ils ont mis, on dirait, la tête d'un taureau, d'accord? Une seule fois. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ces informations-là sont faibles. Regardez ici, ils ont mis ça ici 3 fois. Donc, ça veut dire que c'est une information très forte. Alors, on a compris que les informations fortes sont les informations qui influencent plus le marché, d'accord? Donc, voilà une application qui peut vous renseigner. Vous pouvez poursuivre vos recherches, hein, pour mieux comprendre. Vous voyez, si vous cliquez maintenant sur demain, vous aurez les informations de demain. D'accord? Voilà, on a cliqué sur demain et vous allez en bas. Et ça vous met mardi 20.
D'accord? Et vous voyez les informations également de mardi. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est une application qui nous renseignera sur les informations et qui nous permettra en réalité de faire l'analyse fondamentale. J'espère que vous avez compris. Et voilà l'information qui nous a manqué pour construire maintenant une parfaite stratégie et pour être un trader, un bon trader débutant. Je crois qu'avec cette formation, on a fait le tour, d'accord, de tout ce dont vous avez besoin. Seulement qu'on n'avons pas, on n'a pas été dans les détails, mais à travers nos formations, les deux différentes formations que nous avons lancées, nous allons plus en détail et là, nous pratiquons plus. D'accord, on peut avoir la possibilité maintenant de vous voir à l'œuvre et de corriger vos entrées, de vous dire voilà les erreurs que vous avez commises et puis tout ça. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir porté votre attention encore une fois. On se donne le rendez-vous pour la vidéo prochaine. Et n'oubliez pas, le challenge vous fait bénéficier de 50% de réduction sur nos différentes formations, c'est-à-dire la formation junior qui est à 65 000, la formation senior qui est à 150 000. Donc, à travers ce challenge, vous avez un code et le code est déjà disponible. Les inscriptions sont déjà effectives. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire pour la formation, écrivez-nous pour recevoir le code et la procédure pour pouvoir créer votre compte sur notre plateforme, d'accord, de trading. Et là, vous allez suivre maintenant vos formations. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Et on se donne le rendez-vous pour la dernière vidéo du challenge. Voilà. J'espère que vous serez encore au rendez-vous. Et ciao. N'oubliez pas d'aimer, de partager, d'accord, et de nous laisser des commentaires. Merci beaucoup.